La vente au tas en passe d'être révolue dans nos marchés. Place maintenant à la vente au kilo. Et ce, grâce à un don de 1000 balances fait par Beugré Mambé, gouverneur du district d'Abidjan au nom du chef de l'État aux femmes du vivrier de Côte d'Ivoire. L'appel de Mme Irie Loukoulette, présidente de la Fédération des coopératives du vivrier en Côte d'Ivoire, a été entendu. Aujourd'hui, avec la vente au kilo, toutes ces filles qui traînent, elles seront obligées de s'approcher dans leur commune, les coopératives qui sont dans leur commune, pour qu'elles puissent avoir quelque chose pour vendre, pour pouvoir se prendre en charge. Pour Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, l'heure n'est plus au discours. Il faut agir en faveur de ces femmes qui se saignent nuit et jour pour approvisionner le marché ivoirien. Investir dans la femme, c'est donner une chance à l'éducation de nos enfants. Investir dans la femme, monsieur le gouverneur du district d'Abidjan, c'est faire vivre vos collectivités. Ce sont des femmes à la tâche qui prennent l'engagement d'œuvrer contre la cherté de la vie pour que du sachet, on en vienne enfin au panier de la ménagère. Avec cette balance, nous, les commerçants, nous allons gagner. Les consommateurs aussi vont gagner. Et les producteurs vont gagner. Donc avec la balance, ça nous arrange. On dit merci à monsieur le président. Le gouverneur Beugré Mambé promet faire davantage si les femmes utilisent effectivement les balances reçues.